Bonjour, je suis Hélène Schmidt, Exploring Happy, et je continue ma série sur les différents types en design humain. Si vous êtes là, c'est que soit vous êtes générateur, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est générateur. Et c'est pas si surprenant que ça. Les générateurs constituent 70% de la population. 35% d'entre eux sont des générateurs purs. 35% d'entre eux sont ce qu'on appelle des générateurs manifesteurs qui sont soit considérés comme un type à part, soit considérés comme du générateur, selon la doctrine que vous suivez. La doctrine design humain pur va vous dire qu'un générateur manifesteur fait partie du type générateur. Il y a des gens qui ont décidé d'appeler les générateurs manifesteurs un type à part et non pas un sous-type. J'y viendrai dans une... Vidéo à part, les générateurs manifesteurs ont effectivement quelques caractéristiques qui les différencient des générateurs purs. Mais ce sont avant tout des générateurs. Donc si vous êtes générateur manifesteur, commencez par regarder cette vidéo. Puis vous pourrez aller regarder l'autre vidéo, le petit zoom que je vais faire sur les générateurs manifesteurs en complément. Messieurs et Mesdames les générateurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Et. Elle se, se donne de la même manière. Vous êtes les constructeurs, vous êtes les bosseurs, vous êtes les faiseurs sur cette planète. Vous êtes là pour bosser les gars. Désolée, et les filles, désolée de vous dire ça. Mais à un moment donné, la force vive de l'humanité, c'est vous. Vous avez le sacral défini. Le sacral, c'est le fuel. Vous pouvez le voir sur l'image que je vous montre à l'écran. Le sacral... C'est votre fuel, c'est ce qui vous donne cette énergie que vous devez dépenser chaque jour pour pouvoir dormir correctement. Le fait que vous ayez un sacral défini fait que vous avez un impact sur votre environnement auprès des types dits non énergétiques, des types non sacros. Donc les personnes qui sont projecteurs, manifesteurs et réflecteurs vont être impactés par votre énergie sacrale définie. Il faut que vous soyez conscient de l'impact que vous avez sur ces types non sacrés, non énergétiques. Car vous êtes fait pour bosser avec eux, en particulier le binôme générateur-projecteur, qui est un binôme particulièrement magique. Je vous parle en connaissance de cause, je suis moi-même projecteur. Par contre, lorsque ces types-là vous disent qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas suivre votre rythme. Et ça, il faut le comprendre. Alors, bonne nouvelle pour vous, 70% de l'humanité est générateur. Du coup, vous allez trouver des copains et des copines qui fonctionnent comme vous. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est d'attendre d'un projecteur, d'un manifesteur, d'un réflecteur, qu'il fonctionne comme vous. Ce n'est pas le cas. Ils sont là pour être en complémentarité. Les projecteurs sont là pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous corriger. Ils sont là pour vous aider. Les manifesteurs sont là pour vous inspirer, pour vous emmener, pour innover. Et ensuite, vous, vous êtes la force vive qui suit et qui rende les choses possibles. Les réflecteurs sont là pour vous auditer. Donc, plus vous comprenez quelle est votre place dans cette équation, plus vous arriverez à trouver l'épanouissement. Il faut que vous compreniez une autre chose. Votre aura est générée par votre sacrale, elle est enveloppante et attractive. Vous attirez naturellement la vie à vous. Et une chose majeure à comprendre lorsqu'on est générateur, c'est que vous ne devez pas initier cette énergie, cette force de vie que vous avez en vous, vous devez la dispenser en réponse à la vie et surtout jamais en initiation. Tous autant qu'on est, L'humanité, nous sommes conditionnés par cette injonction à initier, à être proactifs. Et ça marche que pour les manifesteurs purs, qui sont là pour nous emmener là-dedans, qui sont là pour être visionnaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'avis, ça veut juste dire qu'il faut, vous, générateurs, que vous attendiez. De répondre pour pouvoir exprimer vos potentielles idées ou mettre en œuvre des projets. Alors, je vais y venir un peu plus en détail. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, en particulier pour les générateurs, quand toute cette énergie-là dont ils doivent faire quelque chose. Et c'est ça la clé, savoir quand et comment, dans quoi dépenser cette précieuse énergie de générateur. Votre stratégie, comme je l'ai dit, c'est de répondre. Ce n'est pas d'initier avec le mental c'est de répondre avec le corps, avec le cœur, avec l'âme. Vous avez deux possibilités de répondre lorsque vous êtes générateur, selon votre autorité. Alors, vous allez regarder votre carte pour ceux qui l'ont sous la main, et au-delà de votre type, générateur ou générateur manifesteur, il y a une autre information qui est votre autorité. C'est votre stratégie justement de réponse. Vous devez répondre par oui ou par non à des questions fermées. C'est comme ça que vous allez savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Les générateurs qui ont une autorité dite sacrale ont une réponse immédiate de leur tripe. Certains générateurs, c'est leur bruit, le bruit que fait leur ventre. Mais pour tous les générateurs, ça va être les sons qui sortent de votre bouche le ah uh ah, -huh le oui ou le ah uh -huh le non. C'est vraiment un chemin de curiosité que je vous encourage à faire, et c'est d'ailleurs le seul chemin pour comprendre cette notion d'autorité sacrale à faire, c'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre, euh, n'importe quel type, mais idéalement un générateur, et posez-vous des questions fermées. Ça peut aller des questions les plus mondaines, les plus communes, à qu'est-ce que tu veux manger ce soir Alors ça c'est une question ouverte, mais est-ce que tu veux manger une pizza oui, non. Et écoutez-vous, apprenez à vous amuser, à découvrir cette réponse de votre corps et à la, apprendre à la, à la suivre, à l'écouter. Ça va demander un chemin de déconditionnement parce que vous, en fait, vous avez été conditionné à faire, 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 faire et à faire ce qu'on attend de vous, à, à, à faire ce qu'on vous dit de faire, à faire ce qu'on vous suggère de faire. Mais finalement, apprendre à écouter si c'est un oui ou si c'est un non pour vous, certains ont eu la sagesse de l'apprendre, sûrement parce qu'aussi ils ont fait du développement personnel et ils ont appris à, à s'écouter. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes complètement conditionnés à, à, à faire ce qui est attendu par l'extérieur de vous, plutôt que de faire ce que vous, vous voulez vraiment faire. Et c'est là la différence entre la satisfaction, qui est la signature de l'alignement des générateurs, quand vous vous sentez satisfait, quand vous vous sentez bien, c'est que vous avez suivi votre votre nature, votre stratégie. Si vous vous sentez frustré, c'est là que vous allez savoir que quelque chose euh, n'est pas aligné. Mais revenons à l'autorité. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux autorités, l'autorité sacrale et l'autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, c'est si vous avez le centre des émotions défini. Donc le centre des émotions, c'est le triangle que vous allez trouver à droite de votre carte. Donc si vous avez à la fois le sacral défini en tant que générateur et le centre émotionnel défini, ce triangle marron, vous avez une autorité émotionnelle. À partir du moment où le centre des émotions est défini, c'est lui qui prend le pas sur tout le reste. Et là, c'est une histoire légèrement différente. Pour les décisions de tous les jours, est-ce que tu veux manger une pizza Est-ce que tu veux euh, sortir ce soir vous pouvez toujours écouter cette réponse sacrale immédiate, elle sera là, votre sacrale en tant que générateur, il vous parle. Par contre, pour les grosses décisions, pour les grosses questions, votre ami, c'est d'attendre, c'est la patience. L'ennemi de la personne qui a une autorité émotionnelle, c'est la spontanéité. Vous allez avoir cet appel à la spontanéité. Votre sacral va continuer à vous répondre constamment si c'est un oui ou si c'est un non. Mais il faudra que vous ayez quelqu'un de l'extérieur qui vient vous poser la question et que ensuite vous laissiez les choses décanter quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour certaines décisions. La spontanéité pure, c'est-à-dire quand une question pour la première fois arrive dans votre aura, c'est de la considérer et laisser les vagues émotionnelles se passer, le haut et le bas. Ne jamais prendre de décision lorsque vous êtes sous le coup d'une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, lorsque vous êtes sous une autorité émotionnelle. Le temps est votre ami. Attendez d'arriver à une clarté émotionnelle de manière à pouvoir prendre une décision. Qui est vraiment juste, ou quelque part émotionnellement vous avez pesé le pour et le contre. Alors, le risque pour vous, chère personne émotionnellement définie, c'est que pendant ce temps d'attente, ça vous rend un petit peu plus vulnérable au fait que votre mental vienne prendre le dessus. Les fameuses listes de pour et de contre. Donc, on parle bien d'arriver à une clarté émotionnelle où vous êtes passé par tous les spectres des émotions, tout l'enthousiasme les... au contraire, le pessimisme. Naviguez tout ça. Et lorsque vous arrivez vraiment à niveau, vous connaissez votre réponse. C'est pour ça que ça peut sembler une forme de spontanéité cachée, en fait. On vous a proposé quelque chose, vous êtes passé par vos vagues émotionnelles et tout d'un coup, un jour, boum, vous savez. Ça peut sembler euh, spontané, mais en fait, vous êtes passé par le processus de patience, de traitement et de digestion de l'information d'un point de vue émotionnel pour prendre votre décision. Donc ça, c'est si vous êtes générateur émotionnellement défini. Lorsque vous êtes sacral et que vous avez le centre des émotions ouvert, donc non défini, c'est dans l'immédiat. Certains l'appelleront instinct, intuition, alors que si on prend la finesse des termes au design humain, en fait, euh, l'instinct et l'intuition vont être plus du côté du, du spleen, de la rate. Ça c'est encore une nuance que je ne vais pas aborder ici. Mais c'est voilà, c'est votre cerveau du ventre qui vient vous parler, le gut feeling en anglais, le, les tripes qui vous parlent. Donc ça c'est important à comprendre. Donc le générateur. Qui veut utiliser correctement son énergie précieuse de générateur doit répondre non pas à travers le dictat du mental qui dit il faut, je dois, il doit répondre à travers la sagesse de son corps, qu'elle soit dans cette autorité sacrale immédiate ou dans cette autorité émotionnelle avec une temporalité plus longue. Une énergie mal dépensée va vous mener à la frustration. Donc quand vous êtes frustré, c'est le signal, comme je vous l'ai dit, que quelque chose n'est clairement pas aligné sur le fond et sur la forme. Et ça vous donne un indice très précieux pour... Vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé, quelle personne a été euh, impliquée, quelle décision, quelle action, comprenez, ça vous donne des informations précieuses. Et si vous utilisez mal votre énergie encore et encore et encore, vous allez vous retrouver épuisé. En fait, un épuisement qui est paradoxal puisque vous avez cette source d'énergie, là, souvent, j'imagine Dragon Ball qui fait. Vous savez ce faisceau de lumière qui sort de ses mains et ben imaginez, po, vous avez ce, ce pouvoir-là entre entre vos mains dans votre corps. Mais si vous dirigez mal cette énergie, si vous laissez la culpabilité, le sens des obligations prendre le dessus sur toutes vos décisions, si vous vous forcez, vous allez vous épuiser et vous allez être frustré. Du coup, paradoxalement, beaucoup de générateurs peuvent se retrouver en mode. Je glande dans mon canapé. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de sens de direction sur comment utiliser votre énergie. Et ça, c'est des informations que votre carte design humain peut nous donner. Elles sont très précieuses. Les informations sur comment diriger cette énergie, elles sont entre autres dans votre charte, mais elles sont aussi dans ben, de savoir ce qui vous met en joie, ce que vous avez vraiment envie de faire. Votre sagesse, elle est là. Il y a un exemple qui est parfois utilisé, euh, je l'ai vu dans plusieurs vidéos. -dire, voilà, Le, le classique, c'est le générateur qui rentre chez lui et qui voit son voisin qui prépare un échafaudage. Et il commence à parler, et là le voisin lui dit, ben, je, vais, je vais refaire ma façade, je vais peindre ma façade demain. Et là, ben, le générateur, à qui on n'a rien demandé, <laughs> dit, oh, mais je peux t'aider si tu veux, je suis en congé demain. Ça vient vraiment d'une bonne intention Mais personne ne lui a rien demandé. Résultat, le soir, il va se coucher, il fait, oh mince, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Mais du coup, sens de l'obligation, il y va résultat des courses le lendemain, il va aider son voisin mais quelque part avec une forme de mauvaise volonté. Il a finalement il a pas envie quoi. Mais il le fait, le sens de l'obligation, le mental, tout ça. Et finalement fin de la journée. Le voisin va se coucher et le générateur aussi va se coucher chez lui et tous les deux ils sont en mode pff, mince quoi. Le voisin, parce qu'en fait son, son, son copain générateur qui a proposé cette aide non sollicitée a, a fait du mauvais travail parce qu'en fait il a mis de la mauvaise volonté, il n'était pas mobilisé et finalement le voisin va devoir tout refaire le lendemain. Et le générateur, parce qu'en fait ben il a gâché une journée à utiliser son énergie de manière non sollicitée sur quelque chose qu'au fond de lui il n'avait pas envie de faire. Ça c'est le piège du générateur. C'est de s'enfermer dans des obligations parce que par ailleurs on sait qu'on a accès à cette énergie, que vous soyez familier ou pas avec le design humain. Donc, cette notion de mauvais épuisement et de frustration, c'est vraiment un signal d'alarme et c'est vraiment ce, pour quoi vous devez, ce sur quoi vous devez vous concentrer. Inversement, la satisfaction vient vous donner des informations très claires. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, t'es mignonne, Hélène, mais tu dis que euh, je dois répondre à la vie, que les réponses, les questions viennent naturellement à moi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. La gestion de l'attente, elle n'est pas évidente, elle est comme pour les projecteurs quelque part, assez similaire. La consigne est la même, concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Soyez un générateur satisfait avec une aura qui invite les, invi les, 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 les personnes à l'intérieur. Un générateur frustré, il va être un peu répulsif, hein. il ne va pas donner envie en fait. Parce que mécaniquement, il, il vient entraver avec toute cette frustration les fameuses invitations. La consigne reste la même, concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc voilà, cher générateur, euh, vous êtes la force vive et vous avez une mission. Cette force, cette énergie doit être utilisée d'une certaine manière. Votre responsabilité, c'est de découvrir de quelle manière, à travers le questionnement, à travers la curiosité, à travers le fait de vous autoriser à suivre mais, vos, vos envies et surtout vous autoriser à dire non. Apprenez à comprendre cette fameuse autorité. Apprenez à observer comment la vie vient à vous, comment vous avez plein d'opportunités au quotidien de répondre à la plus petite comme à la plus grande des choses. Et faites ce chemin de déconditionnement. Le monde a besoin de vous, les projecteurs comme moi ont besoin de vous, les manifesteurs ont besoin de vous pour euh, réaliser les, la vision qu'ils ont développée. Les réflecteurs vont venir aussi vous aider. Mais voilà, donc... Messieurs et Mesdames les générateurs, d'un côté je vous envie, de l'autre je suis là pour vous guider, pour vous encadrer, pour vous faciliter la vie. Apprenez à comprendre le binôme un peu sacré qui se fait entre projecteur et générateur. Et si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Passez une belle journée. Mmh.